Moi, j'ai débuté sur la télévision de Gaspésie en 1987-88. On a parti ça avec la famille. C'est mon père et moi. Quand on est parti de Rimouski, moi, je finissais l'école. Mon père prenait sa retraite de Poste Canada. Puis, on est arrivé, puis on a décidé de faire de la télé. Mais c'est pour ça que c'était disponible. Il n'y avait personne qui avait parti une télé locale ici à Saint-Anne-des-Monts. Puis avec ma sœur, qui est devenue l'animatrice aussi de la télévision, mon père qui était directeur, moi qui étais technicien, puis ma sœur qui était l'animatrice, bien, ça a formé comme un tout familial qui a permis de faire une télé style famille, là, mais ça a perduré dans le temps aussi, là, parce que c'est ça, aujourd'hui, c'est encore ma sœur, ma blonde. Le côté familial, il restait beaucoup. Ma fille qui travaille avec nous autres, plus d'autres bénévoles et d'autres personnes. Là. Je travaille à la TV Haute-Gaspésie depuis 36 ans, donc depuis le début de la télé. J'ai toujours été comme animatrice. Je suis aussi journaliste, recherchiste. Tout ce qui finit par « ist », c'est sur ma liste. Des gens comme moi, là, ici dans une petite télé comme ici à Saint-Anne-des-Monts, je fais tout ce qui est directeur général. Je fais l'administration, mais également, bien, je fais la production vidéo. OK, Marie-Claire, ça va être beau pour... Oui, parfait. C'est bon pour moi. Ton télésouffleur. Oui. Je fais mon bulletin le mercredi, mais je commence le jeudi. Tout de suite après, à regarder les nouvelles au fur et à mesure qui sortent dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. Je fais le tour des sites que je connais déjà, sur lesquels je peux aller chercher de l'information. Je vais chercher mes thèmes, je m'envoie ça dans mon téléphone. Puis après ça, là, la fin de semaine, je commence tranquillement là, à sortir ce qui est le plus important. À faire la recherche des photos aussi, puis des images. Si on a besoin, bien, des fois, on va en chercher ailleurs, on va en prendre ailleurs aussi. Puis là, je prépare toutes mes nouvelles. Ça me prend quand même quelques heures. C'est le fun, mais j'aime ça. Ça me permet de voir qu'est-ce qui se passe autour aussi. OK, Marie, tu peux-tu me parler un petit peu? J'ai besoin d'un test de son. 1, 2, bonjour tout le monde. Bienvenue aux nouvelles Haute-Gaspésie. Tu m'entends bien, Roger? Oui, ça, c'est beau. Au niveau de l'image, fait que j'étais sur les trois caméras. OK, pour ton invité tantôt. Je te compte ça dans 3, 2, 1... Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles Haute-Gaspésie en manchette cette semaine, activité de sensibilisation. Puis par la suite, bien, je prépare aussi l'entrevue parce que nous, dans nos nouvelles qui durent une demi-heure, on a 10 minutes de nouvelles, puis à peu près une vingtaine de minutes d'entrevue. Donc, je dois préparer mon entrevue. L'entrevue, je te dirais que c'est différent à chaque semaine. On a des gens qui nous viennent d'un peu partout. C'est vraiment le fun de voir que même en région ici, je te dirais, on a eu à peu près 90 entrevues depuis 3 ans. Donc, il faut en chercher du monde, mais au début, on les cherchait, puis aujourd'hui, bien, c'est eux qui viennent à nous. Nous sommes maintenant rendus à la portion entrevue et aujourd'hui, je reçois et je suis un peu nerveuse. Je dirais plus nerveuse, pas stressée, mais je suis tellement contente de le recevoir en studio avec nous. C'est Éric Deschamps de Nature en vue, photographe de nature sauvage. Oui. Ça, là, la portion entrevue pour moi, là, c'est beaucoup plus que le travail que je fais parce que j'apprends plein de choses que je ne connaissais pas. Et quand je prépare l'entrevue, bien, je vais toujours voir sur les sites Internet, sur les pages Facebook. Je vais un peu partout pour préparer mon entrevue, 3-4 pages de texte avec des questions. Puis j'arrive à l'entrevue, puis on y va comme ça vient. Alors, ça nous a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui, Éric. Merci, Marie-Claire. Je suis certaine que tout le monde va être heureux d'avoir entendu cette belle entrevue-là avec nous. Je l'espère. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup. Notre mission à nous, c'est d'être le reflet du milieu. Quand je le dis aux gens, je dis, il n'y a personne qui n'a pas été filmé par la télé et Haute-Gaspésie ici. Tout le monde a été filmé, peu importe que ce soit dans un spectacle, que ce soit dans un festival, que ce soit dans des entrevues, tout le monde a passé à la télé. C'est vraiment... Puis le monde se reconnaît, puis ils sont contents de ça. Puis nous autres aussi, évidemment. Ça prouve qu'on est là, dans le milieu, puis qu'on est présent, puis qu'on est aimé. 52 ans après l'éclipse totale qui a eu lieu en 1972 à Capcha. On est ici, encore à Capcha. Puis on est dans la salle du conseil. Il y a énormément de monde. On a la chance de voir cette éclipse-là en direct. Dernièrement, j'ai fait un reportage sur l'éclipse solaire. Donc, on est allé voir les gens... Pendant qu'ils étaient en train de regarder l'éclipse, on est allé voir aussi avant parce qu'ils ont donné un petit cours. Puis on a essayé de faire une belle petite émission qui a duré à peu près une dizaine de minutes. Puis on a mis ça sur le web, donc les gens ont eu la chance de pouvoir voir comment ça s'était passé, même s'ils n'étaient pas présents. Marie-Claire, c'est comme l'animatrice numéro 1 de la télé. C'est l'image de la télévision ici, de la TV Haute-Gaspésie.
Marie-Claire aussi, quand tout le monde la voit, a commencé, on a commencé en 1987 à faire d'atelier, puis c'était Marie-Claire l'animatrice, puis elle est encore là aujourd'hui. OK, Marie, on s'en va à la Société d'histoire pour notre reportage. Oui, parfait, j'arrive. C'est bon. Allô? Bonjour. Bonjour. Dans le fond, je vais commencer par présenter la Société d'histoire, puis dire un peu d'où ça vient, puis pourquoi on est ici aujourd'hui. Oui, c'est correct avec ça? On ajoutera les images au montage, de toute façon, parfait. Après. C'est bon. Ça fait que, fais-moi donc un petit test de son. OK. Un, deux, m'entends-tu, Roger? Bonjour, tout le monde. C'est très bon. Tu m'entends? Okay. Ça marche. Parfait. Fait que je te donne le cue. Dans 3, 2, 1. Bonjour à tous. On est présentement à la Société d'histoire de la Haute-Gaspésie. C'est une histoire de famille depuis le début. On a toujours eu du plaisir à travailler ensemble. Je te dirais que Roger, mon frère, là, et moi, puis ça, c'est pas une joke, en 60-quelques années, on ne s'est jamais chicané. Jamais. Même quand on était petit. Ça fait qu'on a comme une complicité. On se connaît assez pour être capable d'aller plus loin puis de développer des choses ensemble. Ça fait que c'est le meilleur des deux mondes. Travailler avec mon frère puis faire la job qu'on fait là, c'est vraiment le fun. Ce qui est aussi le fun, c'est que j'ai quand même des bénévoles qui sont autour de nous autres. Les bénévoles, ben c'est ça. Ils nous aident. J'ai des caméramans. J'ai Martin Saint-Pierre qui fait mon conseil de ville à Capucha. Parce qu'on a deux conseils de ville en même temps, le même soir. Fait que j'ai habitué mon monde autour de moi à être caméraman, puis je les ai pratiqués. Fait que là, ça m'aide beaucoup, là. Puis c'est ça, ils sont fidèles à moi, là, ils aiment vraiment travailler dans la télévision, là. Messieurs, bienvenue à la séance du conseil municipal, séance du mois de juin 2024. Donc, bonsoir aux gens, bien sûr, qui suivaient les séances du conseil via la télévision Haute-Gaspésie, mais bienvenue ce soir aux dames, aux messieurs qui sont dans l'assistance. Donc, c'est une grande foule ce soir, donc c'est le fun de recevoir des invités. Un peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi que nous avons de la belle visite. Étant donné la situation géographique de Saint-Anne-des-Monts, Capucha et Tourelles, on est comme un peu dans un, on va dire, un trou médiatique au niveau télévisuel. Là. C'est que les grands réseaux, ils viennent pas ici. Quand ils viennent, bien, ils font des reportages une fois par mois et il n'y a pas de suivi comme tel. Nous autres, on est là, on est présents dans la communauté. Puis à partir de là, bien, ça donne l'attachement au niveau des entrevues qu'on fait, de la nouvelle qu'on fait, ce qui est très fort. Là. Puis on voit que vraiment qu'il y a un manque. Puis la télé ici, c'est vraiment important. Là. On est parti avec le minibus. Les gens vont avoir la chance de faire le tour du terrain avec ce petit minibus-là. Puis c'est le fun parce que là, on est rendu vraiment sur le terrain où les jeunes en montage de ligne sont déjà dans les poteaux. Ce que j'aime faire le plus, c'est de la captation de spectacles. Ça, j'aime ça. Exemple, secondaire en spectacle régional. Ça, c'est des événements que tu sais qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont là puis qui vont poser des questions puis vont vouloir savoir... Et comment ça marche la télé, puis comment, tu sais, on va avoir des clés USB, on va le voir à la télé, quelle heure que ça va passer. Le monde se renseigne beaucoup, puis là, plus qu'il y a de gens, plus qu'on fait parler de nous autres, puis plus qu'on est écouté, là, c'est comme un tout, là. C'est d'être présent dans la communauté, dans tous les événements. Parce que j'ai été dans toutes sortes d'affaires, là. Festivals, spectacles, tout ce qui se passe dans notre coin, j'ai toujours un appel pour dire, ben Roger, t'es-tu disponible pour te rendre? On aurait besoin de toi, ça fait que là, à mesure, bien, le monde sont habitués, là. Je fais partie comme des meubles. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à notre bingo du mercredi soir des Chevaliers-Colombes de Tourelles. Alors, ce soir, pour se mériter la somme de 1 000 $, on se doit de jouer sur une carte de couleur beige et vous devez avoir une carte pleine sur l'une de vos cartes pour mériter la somme de 1 000 $. Au niveau des bingos, ça a commencé avec le Club Optimiste. C'est ça qui a vraiment lancé la télévision locale ici à Saint-Anne-des-Monts, le Club Optimiste. Quand tu as embarqué avec les bingos, ça a permis d'avoir des revenus. Puis le Club Optimiste s'est impliqué tellement dans la communauté, à l'aide à la jeunesse, que c'est incroyable les dons qu'ils font dans le coin, dans tous les organismes qu'il y a ici. Fait que ça a lancé la télé. Puis après, bien, dans les dernières années, il y a les Chevaliers-Colombes de Tourelles qui ont... On a parti un deuxième bingo, qui est le mercredi soir. On a un mercredi et un dimanche. Puis eux autres, bien, c'est plus l'aide, pas à la jeunesse, mais un autre créneau qui fait que ça fait de l'aide à tout le monde, finalement. Puis les bingos, vu qu'ils sont populaires, bien, ça fonctionne à la télévision ici. Je sais pas, on a une clientèle de bingo,
Puis la fidélité est là, là. On a, c'est ça. Ça a toujours été bon depuis le début, puis c'est encore bon aujourd'hui, les bingos. Puis, maintenant, on a deux bingos. Puis c'est ça. Les gens, bien, ils dépensent leur argent localement aussi quand ils gagnent, puis tout reste ici, là, localement. Ça fait que ça, c'est bon. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait la production. J'offre le service clé en main du bingo. La production télévisuelle, la diffusion sur la télé, c'est ce que la télévision de Gaspésie offre. Les clubs, eux autres, ils organisent, ils gèrent leurs cartes, ils gèrent leur sous, ils gèrent leurs dons, leurs affaires. Mais nous, c'est juste au niveau de la production télé. Puis eux autres, on est comme en parallèle avec le club qui eux autres, ils gèrent leurs cartes, leur distribution, leurs gagnants. Puis c'est ça, leur licence de la régie des loteries. T'sais, on est toujours un peu plus relax que si on n'est pas sous pression. Là. Même si c'est faire de la télé, c'est sous pression, mais au niveau de l'équipe, là, quand on travaille ensemble, on n'est pas sous pression. Puis il y a aussi l'équipement vidéo puis qu'on tient à jour. Puis ça, c'est vraiment, je trouve ça vraiment important. Parce que le dernier tournage qu'on a fait, les caméramans qui étaient avec moi, ils ont dit « Wow, t'as des nouvelles caméras, t'es full équipé, on a des headsets pour pouvoir se parler. » On a du plaisir en produisant des émissions. Ça fait que là, les captations, on a toujours du plaisir. Puis tout le monde, après, nous aide à ramasser l'équipement, puis on met ça, puis on ramène ça ici. Puis ça, c'est là que je veux... C'est un peu ma paye à moi, là, de voir que le monde sont heureux, puis qu'on a eu du plaisir à le faire. Puis après ça, puis si on va manger quelque part, bien, on est tout ensemble. Puis ça fait vraiment une belle petite équipe, là. C'est sûr qu'on est connu, là. Je peux pas sortir de la maison sans parler de la télé. Je vais à l'épicerie, tout le monde m'en parle. Tout le monde me parle du bingo qui s'est passé la veille. Tout le monde me parle d'un tournage qu'on a fait, que ce soit dans les écoles. Puis, étant donné qu'on est présent beaucoup dans le milieu, ben c'est ça. On sort de la maison, puis on se fait parler de la télé. Mais c'est ça qui est magique dans tout ça.